Hey! Hey! Alors, chers messieurs, quoi que vous fassiez, faites-le dans une pure discrétion. Allô? Oh, Naomi, faites-les rentrer. Mes chers amis, notre premier contenant d'âme viendra la semaine prochaine. Donc, il est temps pour nous d'agir. Vraiment. Salut tout le monde. Ah, ma petite sœur, sois la bienvenue. Comment tu vas? Ça va, ça va. Allez, vous asseoir. Merci. Ah, Samy, je te raconte finalement. J'ai tant entendu parler de toi. Ah bon? J'aurais que j'étais une star. Prends siège. Samy, Naomi, mais prenez quelque chose à boire. Non. C'est bon. Je constate que vous êtes en réunion. J'espère que je ne vous dérange pas. Ne t'en fais pas. On m'a bien parlé de toi. Et je cherchais à te rencontrer. C'est pas grave. Bon les gars, comme je le disais, nous recevrons notre prochain conteneur d'armes et de munitions la semaine prochaine. AK-47, mitraillette, Kalachnikov, carabine, pistolet, Oui, allô? Oui, c'est Hogan. Merde! Boss, y a-t-il un problème? Bien. Vous voyez? Il y a un grand arbre au milieu du village. Cet arbre procure de la nourriture, abrite, est aussi une source de feu, de bois, pour les villageois. Un matin, les villageois se sont réveillés en voyant que cet arbre a été abattu. Et celui qui l'a abattu était debout avec une hache à la main. Que pensez-vous que les villageois fassent à cette personne qui était debout? Dites-moi! Tuez-le! Très belle réponse, ma sœur. Belle réponse. Bruno, tuez-le. À vos ordres. Si tu es boss. Ah!
fouille-le. Vous voyez, il se croit malin. Il était sous surveillance depuis un certain moment. La façon dont je fais mes choses, je m'assure avant d'agir pour ne pas faire d'erreur. Je m'excuse. Je veux être avec Sammy et Naomi seuls. Prenons-le. Vous travaillez avec ce gars depuis très longtemps. Comment n'avez-vous pas su qu'il est un traître? Oui, je le savais. J'ai ma devise. Et comme on dit, j'aime garder mes amis et mes ennemis encore plus. Et Sammy? Oui. Veux-tu toujours être notre partenaire? Oui. Mais j'ai besoin terriblement des armes. Et aussi, je voudrais être à mon propre compte. Bien. Pour cette dame ici présente, je peux faire n'importe quoi pour la rendre heureuse. Mais à une seule condition, tu fais tout pour ne pas dépasser les limites. Parce que le sol est profond. Aigre. Très profond. Comment Sam peut-il faire ça? Comment peut-il oser? Il sait qu'il est celui qui est chargé de la sécurité pour nos opérations. Et il n'est toujours pas là. Comment peut-il faire ça? Mais comment? Comment? C'est un mec à qui on ne peut pas faire confiance. Ne juge pas comme ça. Quelque chose a dû lui arriver. Atifa! Qu'est-ce qui peut lui arriver? Qu'est-ce qui peut lui arriver? Absolument rien. Il se croit tout permis. Alors qu'il ne vaut rien. Où diable est Sammy? Où est-il? Maxino. Où diable est Sammy? Où est-il? J'en sais rien, boss. Bon, d'accord. Maintenant, trouve-le. Trouve-le vite. J'en ai assez de ces petites folies. Il sait qu'il doit faire des arrangements pour la prochaine opération. Et il n'est toujours pas là. S'il fout ça en l'air, je le battrai moi-même. Face d'un ennemi qui veut ta peau, tue-le avant de réfléchir. Jim, tu es un vrai gangster. C'est Sammy. Quel est ce putain de comportement? Qu'est-ce qui te passe par derrière la tête, Sammy? Qui diable est-il en train de menacer? Sammy? Tu prends ça mal, Sammy. Tu ne voudrais pas entrer en collision avec Joki, n'est-ce pas? Je me fiche de lui. Je ne peux pas accepter ça. Je me fiche de lui. Ici, deux choses sont un peu. Tu comprends? La vie ou la mort. Mais je peux t'assurer une chose, je serai pas celui qui va mourir. Méfie-toi, Sammy. Ne laisse pas ton orgueil t'enterrer jeune. Vraiment? Oui. Essayons voir. Dis-le-lui. Thank you.
how we spend each day, May, June and July. Sunning in our birthday suits, eating that forbidden fruit. It's like perpetual motion. Dogs are sleeping in the shade. Guess we really got it made. Mama lies. We spend each day. We Ok, j'apprécie cela. Merci. Au revoir. Hogan vient de me dire que les âmes sont arrivées. Que ce que j'ai à faire, c'est de passer prendre ma part au magasin. Voir la mère de Beckham. Elle est allée au marché. Indiquez-moi. Ressortez. Prenez un peu à droite. Plus bas, tournez à gauche. C'est là. Sortir à droite, puis à gauche. Merci. Il n'y a pas de quoi. Avec ça, maman, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi sert tout mon argent? C'est quoi ça? C'est quoi? Toi, tu détruis la société avec ta façon de gagner l'argent. Alors que moi, tout ce que je fais est légitime. Et c'est ma sueur. Je n'ai pas à brandir les âmes sur le front des gens et leur voler. Mais tu arrêtes avec ça, maman? Tu me blesses. Tu brises mon cœur. C'est aussi longtemps que tu choisiras de suivre Satan. Hé, hey, monte dans la voiture. Viens ici, toi. Monte. Hé, hey, Baka. Je ne veux pas être témoin de cette richesse. Je ne me souhaite pas cette malédiction, ni sur la tête de ma fille. Sais-tu? Sais-tu combien ça m'a coûté? C'est quoi ça? Allez, disparaît! Quitte-la! Va te faire foutre! Tu sais combien ça m'a coûté? Hein? Si tu es un homme, touche! Si tu es un homme, touche à ça! Tu entends? Hé, hey, Baka! Baka, viens ici. Allez, descends. Allez, devant moi. Allez. Regarde. On rentre. Hein? Regardez mes bananes par terre. Alors que ça a doublé de prix aujourd'hui. Ramasse ça avec moi. Ramasse, non. Je suis dehors.
sa grâce. Où est Sammy? Je lui ai dit de vous voir. Oh, tu l'as fait. C'est très bien. Dis à Sammy de se préparer, car ses actes nous ont coûté des pertes. Un milliard de Sidi. Je jure devant Dieu qu'il me le paiera. Il pense qu'il est malin, mais je suis plus malin que lui, car je suis dans le business depuis bien longtemps. Bien, à partir d'aujourd'hui, considérez Sammy Ashanti comme un ennemi. Et il doit être traité comme tel. C'est ça, même boss. Dégageons d'ici. Boss, un instant. Retrouve-moi à la maison. D'accord, monsieur. Jeune homme, tu n'as pas reçu mon message, pas Maxino? Mais tu es malade ou quoi? Le boss s'adresse à toi. Tu es rigolo dans tes actes, fils du diable. Veux-tu enlever ce truc de mon visage? Si j'étais un fils de diable, tu n'aurais pas eu le temps de pointer ça sur moi. Et toi, Naomi? Tu te retrouves ici à boire avec mes gars. Veux-tu dégager avant que je ne te tire dessus? Vas-y, bébé. Et toi, Sammy? Lève-toi. Lève-toi et viens ici avec nous. Maintenant! Désolé, Jockey. Ça ne va pas se passer comme ça. Écoute, Sammy. Je ne veux pas me répéter. Lève-toi et viens ici avec nous. Je t'ordonne de te lever et de nous suivre. Maintenant! Donne des ordres. Personne ne me donne des ordres à Sammy, même pas sa mère. Tu ne comprends encore rien, mais on verra bien. Les gars, dégageons d'ici. Miséricordieux envers moi. Envoie ta lumière pour éclairer mon fils, pour le changer, Dieu. À part toi, il n'y a personne. Oh, fais-moi ça.
Fais de lui un enfant digne de moi. Je te demande pardon. Je t'en supplie. Oh, pitié de mes larmes. Je souffre. Je souffre, Seigneur. Seigneur. À genoux, je te supplie. Axino, je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Tu vas voir. J'ai vu le chien. Où est son maître? Subri, Joki, l'homme que tu as voulu tuer est encore en vie. Je vais vous donner un petit conseil. C'est bien pour la vie. Tu en auras besoin dans ta prochaine vie. Chaque fois que tu décides d'éliminer un ennemi, assure-toi que tu n'as pas raté ta cible. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il reviendra te chercher. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu en possèdes l'arme. Sinon, j'allais te briser avec mes mains. Ah bon? Tu vas m'écraser? Toi, m'écraser avec tes mains? Bien, allons-y face à face. Pas de problème. Lève-toi. Je vais te donner une seule chance de faire cela. À papa. Boss. Pardon. Nous pouvons arranger tout ça au sein de notre famille.
Un homme qui a tué des milliers de personnes, nuit et jour, se trouve avec une arme pointée sur lui et ne demande que pardon. Boss, je ne te ressemble pas. Tu m'as déçu. Je veux te voir mourir comme un héros. Lève-toi. Hé! Hey. Vite. Je vais te donner mon arme. Et tu vas te la pointer sur la tête. Et te tuer toi-même. Compris? Voici mon arme. Prends-la. Dino. Qui ose bouger recevra une balle. Gino. Je connais ton genre, Latifa. Latifa! Voudrais-tu travailler avec moi? Viens. Et toi? Je ne veux pas te fusiller. Je vais t'épargner la vie. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as fait de moi ce que je suis. Et tout ce que tu dois faire, c'est de remercier ton Dieu. Maxino! Ces deux bâtards. Pour toi. Allons-y. Voilà ma mabille.
Maman, oui. Maman Bi. Comment ça va? Soyez les bienvenus. Comment ça va? Comment vas-tu, je vais Mama bien. Bi? Et vous? Que vous avez bonne mine. Mais qu'est-ce qui vous amène chez moi? Eh bien, premièrement, pour rendre hommage à qui le mérite. Maxino. Maman Bi, voici 200 000 dollars américains. Ceci n'est qu'un petit geste de gratitude pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te prions de l'accepter avec beaucoup d'humilité. Oh, Sami, vous m'avez rendu fière. J'accepte ce cadeau, mais je sais que c'est pas pour la seule raison que vous êtes là. Je veux mettre sur pied mon propre gang. Et j'ai besoin de gens. Des gens à qui je peux avoir confiance. De telle sorte que lorsque je me couche la nuit, je peux fermer mes deux yeux. Je crois que tu peux me faire beaucoup de choses. Dans ce jeu, la loyauté est une clé. En 72 heures, je verrai ce que je peux faire et je vous tiendrai informé. D'accord. J'attendrai. Ton chapeau me plaît beaucoup. Maxino. Que Dieu vous garde. Il y a quoi? As-tu vu ça? C'est quoi? Regarde derrière. Ça, c'est ma petite sœur à 7 heures de la nuit en train d'embrasser un gars. Et puis quoi? Les filles que tu embrasses sont-elles pas les sœurs des autres? Laisse-la vivre sa vie. Hey! Je suis mauvais, d'accord. Mais je ne voudrais pas qu'elle soit comme moi. Ma maman mérite mieux que ça. Poli, qui est ce sale type avec qui tu causes? Sami, oh. Arrête ça! Arrête ça, s'il te plaît! Que diable fais-tu à pareille heure de la nuit? Hein? Sami, qu'est-ce qui se passe chez toi? Hein? Tais-toi! Je ne fais pas tes affaires! Je suis suffisamment grande pour prendre soin de toi! Tais-toi! Où diras-tu à moi que tu étais? En quoi ça te dérange? Toi, tu n'as pas quitté la maison plus jeune que moi! Hein? Imbécile! Tais-toi! Maxino! Cette fille de moi, avant que je ne fasse des bêtises! Tu ne peux pas me dire comment vivre ma vie. Tu n'as aucun droit sur moi. Maxino, amène-la. Tiens-la très loin de moi. Je ne serai pas responsable de ce qui arrivera. Et toi, fiche le camp d'ici. Maxino, partons maintenant. He's a smooth operator and wise. He's the king of the jungle of crime. He is the man with the gun. He is the son of a gun. He's a runaway soldier and no run. He's the trouble, he's the man. Maxino, merci. Venez, entrez, venez par ici. Chers soeurs, que nous ne sommes pas en retard. Installez-vous confortablement ici. Oui, asseyez-vous s'il vous plaît, prenez place. N'ayez pas peur, vous êtes chez vous. Alors, Maman Bi, comment était la journée? Pas trop mal, très bien. Passez les filles, asseyez-vous, prenez place et puis vous pouvez même vous servir à boire sans problème, sans protocole. Ici, c'est la fête, nous sommes toujours dans la joie. Et le travail, hein? Alors, comment vont les choses? Maman, tout va bien. Maman Bi! Oh, mon Sami! Oh! Mon grand Sami! Comment ça va? Ça va bien. Pas mal du tout.
Merveilleuse pute. C'est ça ce que tu as trouvé pour moi? Et toi, j'aime tes cheveux. Quel est ton nom? Abdou Noël? Léa. Léa? Léa. Par la haute voix quand tu t'adresses à Samy, d'accord? Et toi? Voilà une grande chaîne. Combien l'as-tu acheté? Quel est ton nom? Sharon. Sharon? Et toi? J'aime tes boucles d'oreilles. Le sais-tu? Quel est ton nom? Zero. Conti? Zero? Et toi? Joli sein. Quel est ton nom? Sobifa. Sobifa? So, Latifa. Maman Ambi. Elle a commencé ce voyage avec moi. Et je la remercie pour cela. Elle m'a entraîné dans ce voyage depuis la gare. Ce qu'elle a fait pour moi, pas même ma mère. Maman Ambi. Latifa. Latifa. Maman Ambi. Ainsi, nous voilà partis. Très bien. Moi, je suis Samy. Eke Tony Montana. Saisissez-vous cela? Vous savez tout ce que c'est que ça? Connaissez-vous tout ceci? L'avez-vous su auparavant? Nous savons tous le pourquoi nous sommes ici. Alors je vais droit au but. Nous sommes des bandits professionnels. Et nous voulons à ceux qui volent à l'État. Vous m'entendez? Puisque nous sommes privilégiés, nous prenons seulement à ceux qui prennent à l'État. Car ils sont les grands voleurs. Nous sommes spécialisés dans le kidnapping, le braquage, le chantage gouvernemental, la fraude en assurance. Partout où il y a de l'argent, nous nous trouvons là. Voilà ce que nous faisons. Vous avez compris? Chacun dans cette famille est responsable de sa propre vie. Responsable de sa propre vie. Même jusqu'au point de mourir. Y a-t-il des questions? Ça, ce n'est pas mon point de vue, maman. Alors, quelle est ta position? Ma position est simple. Je ne peux pas avoir des milliards de CD dans mon compte pendant que ma maman balaie l'église et vend des bananes braisées au bord de la et route. C'est de cette manière que tu vois les choses. Et que ferais-je, moi? Moi qui suis une femme respectée à l'église, maintenant connue comme la mère du plus grand criminel du monde. Que Dieu m'en préserve. Maman, je n'ai ni volé, ni tué personne. Je fais des affaires claires. Je fais des dons de charité dans les orphelinats. Et je suis sûr que le leader de ton église ne fait pas le quart de ce que je fais. Ton geste à la société est un geste de sirène. Tu comprends? Donner 100 à la société et revenir prendre des millions à cette même société. Ça, c'est un péché. Maman. Laisse-moi vous amener dans la nouvelle maison que j'ai achetée pour vous. Une maison que tu as achetée? Avec quel argent? L'argent sale, la sueur des autres que tu as arraché avec la force. Je ne rentrerai jamais dans cette maison. Je n'irai jamais. Jamais. Maman, ce que tu fais à Frère Samy n'est pas juste. Que veux-tu de plus? Il nous a acheté une maison, mais tu préfères rester ici, dans cette cabane. Cette hutte t'a donné et te donne toujours un abri. Alors tais-toi et fiche-moi la paix, toi. Si tu tiens vraiment à moi, alors accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et sois couvert par son sang. J'en ai fini. C'est tout.
bénédiction sans l'argent, tu sais que c'est l'énervement. Et Samy ne pourra pas faire ça. Alors va-t'en et fiche-moi la paix. Je vais t'en. Oh Dieu. Change l'autre là pour que cela ne se brûle pas. Quand c'est noir, les clients n'aiment pas ça. Bonjour maman, nous sommes les représentantes du commerce. Présente-nous ta quittance du. Quittance de 3 mois? Oui, le papier qui te permet de vendre ici. Où est ça? Désolée maman, nous serons obligés de confisquer vos bananes. Mais je n'en ai jamais entendu parler. Nous ne prenons pas de tickets. Ah, non, attendez! Non, ne faites pas ça! Oh, mon meilleur! Mais non, soyez gentils! Je vous en supplie, ne faites pas! Oh, mais attendez, mais écoutez-moi! Je vous en supplie, je suis à genoux! Mais attendez! Oh Seigneur, et quand est-ce que tout cela va finir? Dreams of life, you will arrive or die. If the man with the heart of stone, his disaster on a golden throne. One over two things that are alive, the cars and mansions and lights. Betrayal and pain it takes. It's a grand lord, he's the man who says he wanna be the king of the jungle and crime is a deed. It's all about the Benjamins, the game, the fame. Goodness is the name. A shame, just get out of the way. He wanna be the king of the jungle. Sam, tu me dépasses à mes lagans comme si je ne suis qu'une pièce de meuble. Et après tu t'en vas. Si seulement tu voyais à travers cette fumée de cigarette et cet alcool fort, tu comprendras que quand un homme est sous pression, il ne doit pas être dérangé. Samy, tu commences vraiment à m'énerver. Je préfère n'avoir pas entendu ce que tu viens de dire. Je ne suis pas d'humeur. Régale-toi avec ta cigarette. A été fermé par la mairie et ton capital emporté. Comment vas-tu vivre? Dieu m'aidera. Comment Dieu peut-il t'aider, maman? Regarde.
Cet argent est à toi. Regarde, cet argent est à toi. Je me tue pour faire ça pour toi. Maman. Et tout ce que tu fais, c'est de me laisser traîner comme ceci. Pourquoi veux-tu souffrir de cette manière? Je veux que tu prennes soin de toi avec cet argent, maman. Vous avez besoin toutes les deux de ça. S'il te plaît, maman. J'ai besoin de ton argent. Ni de quoi que ce soit de toi. C'est de l'argent sale. Retourne-le au propriétaire. Pardon. Retourne-le au propriétaire. Même si j'ai besoin d'argent, je ne prendrai rien pour venir du diable. Maman. Je t'ai toujours dit que je préfère mendier dans la rue ou mourir de faim que de prendre cet argent. Samy, pourquoi gaspilles-tu ta vie? Pourquoi me fais-tu souffrir? Pourquoi ne veux-tu pas changer? Pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça? Cet argent t'appartient. Je te le donne. Fais ce que tu veux de ça. Si tu veux le brûler, brûle-le. Autrement, utilise-le. Car c'est à toi. Prends cet argent et sors de ma maison. Prends et sors! Samy! Samy! Viens prendre cet argent. Et sors. Prends et hors de ma maison. Ramène au propriétaire. Tu es en train de me tuer, maman. Lentement et progressivement, tu vas me tuer. De moi, Seigneur. Oh, Sœur Georgina. Pasteur. Puisse le Seigneur écouter tes pleurs ainsi que ta prière. Il pasteur. Doit sûrement soigner tes blessures. Mon fils se comporte comme si je ne lui ai pas donné une éducation de base. Il a dîner avec le diable. Mais je l'aime. J'aime mon fils. Et l'amour de mère qu'il ressent pour moi, je ne l'ai jamais eu auprès des autres enfants. C'est cet amour qui l'a rendu ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez? Oh, je te prends pardon.
Oh, je t'en supplie. Savez-vous comment je veux pour construire cette maison? Jusqu'à là, tu ne veux pas payer ma maison. Si toi, tu ne payes pas, comment je peux manger? Je vous ai dit les derniers délais. Ou tu me donnes l'argent, ou bien je veux mettre tout dehors. Laisse-moi passer, Tu veux me tuer ou quoi? J'ai une famille à nourrir, j'ai des bouches à nourrir. Laisse-moi, je vais mettre tout dehors. Tu vas voir, je suis fatigué de tout. Si vous allez dormir en dehors, c'est pas mon problème. Allez-y, quitte ma maison. Allez-y, laisse-moi. Je n'en peux plus. Laisse-moi, je dis, je ne veux plus voir vos pieds ici. Partez. Ça va, tais-toi. Sammy est devenu un gangster, un brigand, voleur. Il agresse les gens partout. Il a été arrêté, jugé et envoyé dans une prison juvénile. Et quelques temps après, il a encore commis un autre crime. Pour lequel il fut condamné pour 5 ans avant d'être relâché récemment. Père, la Bible nous enseigne que si un membre de ton corps te fait pécher contre Dieu, coupe-le. Quoi qu'il te mette au travers de toi et ton Dieu, évite-le. Mais j'aime vraiment mon fils, Père. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Hein? Que dois-je faire? Que dois-je... Notre Seigneur Jésus n'est pas venu pour les fervents. Il est venu pour les pécheurs afin de les sauver. Il est venu pour ceux qui se sont éloignés de Dieu afin qu'ils se réconcilient avec lui. Même s'il est un tueur, ne le rejette pas, ne le chasse pas. Au contraire, rapproche-lui de toi afin qu'il puisse expérimenter l'amour de Dieu qui est en toi. Prions ensemble. Père Jéhovah, écoute les pleurs de ta fille ici présente. Fortifie son cœur afin qu'elle puisse accepter son fils pour lui permettre. C'est pas juste. Pas du tout juste. C'est pas juste. Oh! Il est bien et amusant de rester avec lui. Il sait comment rendre une femme heureuse. Hein? Donc il sait comment traiter les femmes. Hein? Oui, il le sait. En d'autres termes, rendre une femme heureuse, c'est la caresser et la tripoter avec les doigts en public. Écoute, Becca, tu as besoin d'un homme responsable avec une vision. Montre-moi un tel homme. Toi? Je ne suis pas ton genre d'homme, Becca. Bien au contraire, Max. Tu es mon genre d'homme. De quoi parles-tu? Arrête de faire semblant. Je sais que tu m'aimes. Je suis une femme. Je sais quand Becca, un homme est amoureux de moi. Tu es ma sœur. Ton frère et moi sommes comme des frères. Je ne peux pas coucher avec toi, tu le sais. Je sais quel est ton problème. Tu as peur de mon frère, pas vrai? Moi, Marcino, je n'ai peur de personne. Je respecte juste notre amitié. Alors, tu aime-moi, vois? Parce que je suis déjà amoureuse de toi. De toutes les façons, je verrai. Tu es aussi très belle. Merci. Je confirme chaque mouvement concernant le lundi matin.
Sécurité? 4 quarts de police, plus précisément. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons être bien armés. Feu pour feu! Boum, boum, boum! Je suis pressé de voir. Il va tomber, les hommes en noir. Je ne sais pas, les gars. J'ai un étrange sentiment. Les gars, nous devons prier que nous allions et revenions sains et saufs. Léa, prie pour nous. Attendez, pour qui voulez-vous prier? Pour qui? Pour qui voulez-vous faire la prière? Dieu? Dieu? On dit que Dieu est saint. L'as-tu vu auparavant? Sais-tu où il vit? Le vois-tu marcher de temps en temps dans la rue? As-tu vu son numéro de téléphone ou autre chose pour l'appeler? Peux-tu m'amener chez lui maintenant? Je voudrais lui parler face à face. J'ai des questions à lui poser. Peux-tu faire cela? Comment peux-tu demander à un homme que tu ignores de t'aider à voler? Dis-moi. À voler? Chacun pour soi, Dieu pour tous, c'est compris? C'est ça. Nous sommes les plus forts. Nous allons partir et nous allons tous revenir ici. C'est compris? C'est compris? C'est boum! Boum, 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 boum! Feu pour feu! Feu pour feu! Boum! Ouais! Un Libérien a tué sa femme ce matin pour une histoire de trahison. Les témoins oculaires de ce meurtre disent qu'elle a été assassinée de sang-froid par son propre mari, qui plus tard s'est mis en fuite. Mais malheureusement pour lui, il a été épinglé par les forces de police.
Un groupe de voleurs armés ont échangé des coups de feu avec la police aujourd'hui. 5 policiers sont morts sur le champ et 2 voleurs ont été touchés. Mais l'un d'entre eux est dans un état stable à l'hôpital. Ce dernier fera face à la loi après son traitement. Toutefois, des investigations sont en cours pour mettre la main sur le reste des membres du gang. Merde, c'est du mauvais travail ça. Comment nous pouvons nous régler ce problème? Le mieux pour nous, c'est de voir l'officier qui est en charge du problème. Oui. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Quiconque est en vie doit mourir. Oui. Quiconque est en vie doit mourir. Et nous savons tous ce que cela signifie. Nous devons agir rapidement pour éviter tout ennui. Oui. Le retard pourra nous être fatal. Gang, venez. Quel problème as-tu avec ta mère? Je n'ai pas de problème avec elle, mais je ne veux pas qu'elle travaille ici ou ailleurs, c'est tout. Pourquoi ne veux-tu pas qu'elle travaille dans la maison de Dieu? Je ne veux pas qu'elle travaille ni ici ni ailleurs, c'est tout. On dit que Dieu existe, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve. Si on dit que le seul chemin pour aller au ciel, c'est de vivre comme elle, être toujours débraillé, passer son temps à nettoyer l'église, pleurer chaque fois, alors je préfère l'enfer. Père, j'aime ma mère plus que n'importe qui d'autre sur cette terre. J'aime ma mère plus que Dieu lui-même. Tout ce que je dis, c'est qu'elle a assez souffert et je voudrais l'amener hors d'ici. Père, voyez-vous ce dont je vous parlais? Il a besoin de délivrance. Aidez-le. J'ai compris. Quel est ton problème avec ta mère? Pourquoi ne veux-tu pas qu'elle travaille dans la maison de Dieu? Si tu aimes ta mère, écoute ce qu'elle te dit. L'un des commandements de la Bible dit que les enfants doivent obéir à leurs parents, afin que leurs jours soient longs sur cette terre. Je suis très fier de ma vie en Christ. Je suis fier de la manière dont je vis. Vous voyez ce que je disais? Ma mère est la seule personne au monde qui est fière de sa pauvreté. Père, dites-lui que la pauvreté est un péché. Si elle veut aller au paradis, elle doit être riche. Frère Sam, une vie sans Christ est une crise. Père, il est temps de faire face aux rien. J'en ai marre. Je suis fatigué du système dans lequel les prêtres, les pasteurs et autres roulent de grandes voitures, construisent des maisons avec l'aumône et l'offrande des croyants. Chacun de vous vit bien et tout ce que vous dites à vos croyants, c'est de louer et crier stupidement « Alléluia !»
Alléluia! Moi, je ne suis pas dans ce système. Ravi de vous avoir parlé, Père. Et j'espère que nous en reparlerons si vous le voulez. Si cela ne vous gêne pas, pouvez-vous nous laisser? Je vous verrai plus tard. D'accord, okay, père. D'accord, mon père. Excusez-moi. Père, je viens devant ton saint trône avec mon fils. Seigneur, je sais que tu es le seul capable à répondre à mes prières. Seigneur, quand changeras-tu mon fils? Seigneur, ma prière. Seigneur, où qu'il se trouve en ce moment, garde-le dans ton projet précieux. Ta vie. Seigneur, touche mon fils. Ne le laisse pas gaspiller sa vie dans ce monde. Père, que la mission pour laquelle tu l'as créé s'accomplisse. Que la mission pour laquelle il a été créé s'accomplisse. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Merci Seigneur. Amen. Maman, tu pries pour que la mission pour laquelle je suis né s'accomplisse? De quoi a besoin un homme? J'ai des maisons, des voitures, de l'argent, maman. L'argent. Samy, tu as besoin de l'éternité. Tu as besoin de la vie éternelle. Maman, oh, ne te fais pas des illusions. Il n'existe pas de vie après la mort. Un pasteur a dit qu'il a été donné à l'homme de mourir qu'une seule fois. Mais après cela, le jugement... J'ignorais cela. Le sais-tu? Maman. Et toi? Samy, tout ce que tu vis maintenant est vanité. Tu as besoin d'être délivré. Es-tu exaucé? L'es-tu? Tu pleures et tu parles comme si j'étais un gamin. Tu demandes au Christ de te sauver ou de t'aider. Et jusque-là, ta vie, cette vie de pauvre, tu es servante de l'Église et tu appelles ça accomplissement avec Christ. Comme ça, je suis satisfaite. Non, tu ne l'es pas. Hors de ma vue, Satan. Ça, c'est moi, maman. Ton fils, tu ne le vois pas? Je ne suis pas Satan, maman. Maman, c'est surprenant de savoir comment je me suis battu dans la vie pour te rendre exaucée, heureuse. Mais voici comment tu me traites après tout ce que je te fais. J'ai bâti des maisons pour toi, maman. Maman, je veux que tu vives avec moi. Ne le vois-tu pas? Ne le vois-tu pas? Viens avec moi, maman. S'il te plaît. Je suis ton fils, ne l'oublie pas. Pardonne-moi, maman. Viens vivre avec moi. Viens. Allons-y. Arrête de me tenter, Satan. Je jure devant cet autel que je ne pourrai jamais, jamais mettre pied devant ta porte. À cause de lui,
cause de lui. Je vais te montrer quelque chose. Observe tout simplement. Et tu vas voir. Oh! Oh, m'écoutes-tu? As-tu entendu? Rien? Ah. Attends. Rien, maman. Rien! Rien! Maman! M'entends-tu? M'entends-tu? Adoratrice! Eux-mêmes, ils disent de ne pas adorer des images, mais ils ont mis des images partout! Pourquoi? Est-il à notre famille? Ils font tout cela tout simplement à cause de l'argent, maman! Tu comprends cela? Où était Dieu pour nous sauver? Pour sauver notre famille? Où était-il? Tu demandes à ce type de t'aider avec combien d'argent alors que tu ne le vois même pas? C'est quoi ça? De l'encre et du papier. Avec mon argent, je peux acheter 1000 de ceci, 1000. Avec mon argent, je peux acheter des églises. Je peux acheter la congrégation entière. Moi, le louer ce type, jamais! Ceci n'est qu'une photo, maman. Ça, c'est rien! Je peux même l'affronter maintenant. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Je peux avoir plus de monde autour de moi que le Christ n'en a. Je peux même devenir le Christ avec mon argent. Oui. Maman.